chercher. Alors on espère que Mère Nature sera avec nous aujourd'hui, mais voilà. You cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting. Entre nous, il va. On a vu les orques. Déjà, j'ai une moustache. Un peu plus. Alors, on a chaud au corps. L'année prochaine, c'est un pays chaud. C'est des conneries, ça, c'est n'importe quoi. On a chaud au corps, mais on a les mains mouillées. Il a neigé tout le long, mais... On a vu les orques et on a vu une baleine. Ouais, c'était trop. Alors, après 4 heures de voiture, enfin de bus, nous voilà arrivés dans... un taxi pour une heure de taxi, puis nous voilà dans un ferry pour 30 minutes de ferry, et puis nous reprendrons le taxi pour remonter encore plus haut. Cette fois-ci il fait nuit, mais ça correspond à l'heure qu'on connaît, qui est là, 18h30 normalement. 40. Voilà, donc on est fatigué et le temps est pourri. Donc on n'est pas sûr de voir des aurores boréales, peut-être à 3h du matin. Voilà, bisous. Coucou tout le monde. Hello. On est content parce qu'on a vu notre première aurore boréale. Alors c'était pas prévu du tout, hein. On devait l'avoir plus tard dans la nuit. On doit se lever normalement à 3h du matin, c'est le moment le plus propice, là où il y a le plus d'énergie et là où il y a le moins de nuages. Donc on vous mettra le lien vers une vidéo pour vous expliquer les aurores boréales, c'est vraiment bien. Et on vous fera un petit cours vite fait quand même, si on est doué pour ça. Non, mais c'est une histoire de champ magnétique, c'est simple à comprendre. Il y a eu un bruit. Alors, parce qu'en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on est dans un laveau. Alors, un laveau, c'est une sorte de petite cabane avec un toit tout en verre. Et au milieu, on a une cheminée, donc nous, on se réchauffe auprès du feu et on va y passer la nuit, donc ça va être chouette, ça va être sympa. Ouais. Et puis du coup, bah voilà, le toit en verre nous permet de voir un peu les étoiles, mais là ce soir le ciel il est quand même pas mal couvert. Et puis bah de détecter aussi les aurores boréales dès qu'il y a une petite lumière verte qui arrive, ça va être chouette. Voilà la suite au prochain épisode. À 3h du matin. Oui. Tu fais quoi ?